Monsieur le ministre, mesdames, messieurs. Il avait 21 ans, ce Normand de Caen, lorsque, attaché à la personne du duc d'Angoulême, fils naturel de Henri II, grand prieur de l'ordre de Malte, il suivit son maître dans son gouvernement de Provence. Séjour de 10 ans, au cours duquel il épouse la fille d'un président au Parlement de Provence, Madeleine de Cariolis, et auquel mettra fin la mort brutale du grand prieur le 2 juin 1586. Malherbe rentre à Caen, mais en 1595, il revient en Provence pour y résider jusqu'en 1598. C'est au cours de ce second séjour qu'il aurait, si nous en croyons Racan, son biographe, pris une part active au siège de Martigues, et qu'il a célébré dans un de ses premiers poèmes la prise de Marseille en février 1596 par les troupes royales commandées par Charles de Lorraine, duc de Guise, auxquelles deux Corses, les frères Libertas, ouvrirent les portes de la cité, alors tyranniquement gouvernée par Louis d'Aix et Cazaux, avec l'appui des Espagnols. 5 ans Marseille volée à son juste possesseur avait langui désolée aux mains de cet oppresseur. Enfin, après un séjour d'un an en Normandie, Malherbe, irrésistiblement attiré par la Provence, retourne à Aix et y résidera jusqu'en 1605, date à laquelle Henri IV lui accorde une audience et le retient à la cour. Le cardinal Duperron avait dit au roi que personne ne devait plus se mêler de faire des vers après un certain gentilhomme normand qui vivait retiré à Aix. Au total, 19 ans de séjour en Provence, au cours duquel Malherbe n'écrivit guère que 2 œuvres importantes, la fameuse Consolation à Duperrier, Duperrier avocat au Parlement de Provence, qu'il est d'ailleurs difficile de dater exactement, et l'Ode à Marie de Médicis sur sa bienvenue en France, qui fut édité en 1601 chez Tolosan, libraire aixois. Mais il est certain que ce long séjour fut décisif pour la formation de son esprit. Certes, les paysages méridionaux n'ont jamais réussi à inspirer le raisonnable Malherbe, mais les hommes qu'il a connus et qu'il a aimés, car Malherbe n'était pas le cœur froid et sec que l'on a dit trop souvent, ces hommes-là, qu'il a connus dans la noble capitale de Provence, ont exercé sur lui une influence incontestable. Il est difficile de dire de quel profit lui fut, pendant son premier séjour, la fréquentation du groupe de poètes provençaux auquel il se mêla. Malherbe cherchait alors sa voix. Mais après 1598, le voilà qui se lie avec de grands magistrats humanistes, Duperrier, le savant Péresque, avec lequel il entretiendra une longue et affectueuse correspondance, et surtout le premier président Guillaume Duvert, premier président au Parlement d'Aix, qui jouissait à Aix et dans toute la Provence d'un prestige immense. Ferdinand Bruno a montré par des rapprochements de textes saisissants tout ce que Malherbe devait à cet illustre magistrat, à sa pensée nourrie de stoïcisme, comme à sa conception de l'éloquence. Cette horreur du laisser-aller, cette recherche de la perfection dans le style, de la pureté dans la langue, ce goût de la clarté, de la simplicité, de la propriété verbale, de l'expression pleine et vigoureuse, ce goût aussi du beau et large mouvement d'oratoire qui revêtira ses strophes d'une somptueuse mais sobre draperie, tout cela, Malherbe l'avait sans doute puisé dans les enseignements de Duvert, dans la méditation de son traité de l'éloquence française, et sans doute dans une communauté de réflexion et de travail avec ce grand esprit. C'en est assez pour nous permettre d'affirmer que Malherbe n'aurait sans doute pas été ce qu'il fut sans ses longues années aixoises, et pour associer la Provence à la commémoration de celui qui, dans un jour de modestie, se qualifiait d'excellent arrangeur de syllabes, mais qui fut, nous pouvons le dire, aujourd'hui, après 4 siècles écoulés, à l'aube de notre grand siècle classique, pour notre langue et pour notre poésie, un censeur rigoureux et un peu revêche, mais un réformateur nécessaire.